l'instant, on est dans l'ordre. Donc, ah non, pas trop. Non, mais pas dans cet endroit-là, on est dans cet endroit-là. Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Océanopolis. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour cette conférence dédiée à l'image au service de l'océan. Alors, cette conférence fait partie d'un programme organisé par Océanopolis pendant trois jours. C'est trois jours dédiés à l'océan, qui a été le One Ocean Summit. Et donc, Océanopolis a décidé pendant ces trois jours organise le pavillon du One Ocean Summit, cette fois-ci dédié au public. L'objet, c'est vraiment de partager tout ce qui va être discuté pendant trois jours par les experts, les décideurs, faire en sorte en fait que l'importance de l'océan, la place de l'océan dans notre vie et puis les enjeux qui sont liés, finalement, vous puissiez vous aussi découvrir tout ça, échanger avec des experts, rencontrer différents intervenants de ce sommet international et quelque part faire en sorte que vous aussi vous puissiez comprendre pourquoi finalement ces trois jours sont dédiés à ce milieu marin qui est essentiel pour la vie sur Terre. Donc là, nous allons évidemment passer un petit moment ensemble à échanger sur l'importance de l'image et cette image finalement elle suscite des questions, de l'émerveillement. On va découvrir tout ça tous ensemble. En tout cas, bienvenue. Je vous souhaite de passer un très bon moment avec l'ensemble des intervenants qui sont là aujourd'hui. Merci, Céline. Dans un premier temps, on va vous présenter les cinq intervenants qui sont là. Donc, Céline Liret, bonjour. Vous êtes docteur en océanologie biologique et directrice scientifique de l'Océanopolis et commissaire de position 70.8 et intervenante cet après-midi de l'atelier éducation d'IA à la mer et en amont de la jeunesse de l'océan One Ocean Summit. Jérôme Derigny, bonjour. Vous êtes photographe depuis les années 2000. Vous penchez sur des thématiques à caractère socio-humaniste. Vous travaillez sur les futurs durables, générateurs de biens sociaux en France et dans le monde. Vos sujets montrent l'impact de l'action de l'homme sur lui-même, sur les relations qu'il crée avec son environnement. Vous êtes membre du collectif Argos depuis 15 ans. Ce collectif de journalistes fête ses 20 ans et d'engagement pour l'environnement réalise une médiation culturelle sur les thèmes du développement durable à travers ses écrits, expositions et livres. Merci d'être là, Jérôme. Bonjour Stéphanie, merci d'être là également. Vous êtes journaliste depuis 30 ans et aujourd'hui rédactrice en chef déléguée au supplément et hors série OS France. Et vous attachez à la mer professionnellement dans votre activité depuis 5 ans à travers le supplément La mer, notre avenir. Michel Pell, bonjour, merci d'être également. Depuis 2020, vous êtes coordinateur des actions de l'Office français de la biodiversité. En termes de biodiversité marine, en tant que directeur délégué maire et responsable du site national de Brest. Et bonjour François Gabart pour cette table ronde. Vous êtes navigateur, skipper professionnel et parrain de l'exposition Amer du collectif Argos, exposition en ce moment devant Océanopolis. Et en 2017, vous avez établi un record du monde en solitaire, record du tour du monde en solitaire, pardon. Et vous êtes également fondateur et patron de l'écurie de course au large Mer Concept. Donc, merci à vous cinq d'être présents, d'avoir répondu à l'appel. Nous allons pouvoir démarrer les échanges et vos présentations. Jérôme Derigny, nous allons commencer par vous. Vous avez fait un reportage aux photos au Gabon pour montrer au grand public la pêche illicite dans le golfe de Guinée. Si je peux vous demander, comment choisissez-vous un sujet et comment transmettre et sensibiliser à travers la photo? Quel est finalement le processus de création d'une image qui doit acter une image de l'océan qui doit impacter le public? Et comment rendre photogénique finalement cette image?
Alors effectivement, je vais vous parler un peu plus particulièrement de ce reportage classé au Gabon sur une mission Shepherd. Avant, je voulais vous dire que c'est un sujet qui est parti d'un projet global, donc projet exposé actuellement dans l'Est, sur l'accaparement des océans et qu'on a monté entièrement avec le collectif Argos. Donc c'est un projet collectif. Et donc c'est un sujet parmi d'autres. Et en fait, avant de partir sur le premier reportage d'un de nos projets, on a toute une partie d'enquête et de recherche quand on décide d'un thème, de savoir comment on va le traiter et à travers quel sujet. Donc dans le collectif, il y a des journalistes qui écrivent et des photographes qui photographient. Et donc il faut trouver des sujets qui conviennent aux deux médias et qui soient facilement traitables en images aussi. Mais donc avant de partir, on a vraiment une période de recherche et de trouver quasiment l'ensemble des sujets qui feront le projet pour que chacun puisse se compléter, qu'on puisse être complémentaire d'un sujet à l'autre et aussi... vu que c'est souvent des sujets à problématiques planétaires qu'on traite, il faut qu'on soit présent sur tout le globe. Donc là, ce sujet-là a été le premier de la série sur lequel on est parti. C'était un moyen de partir sur les bateaux en pleine mer et de comprendre comment on pêche les poissons qu'on mange. Et donc nous, on s'est rapproché de Sea Shepherd, on a regardé quelle mission il faisait. Celle-ci nous a plu parce qu'elle était menée conjointement avec... le gouvernement du Gabon, et ça nous paraissait important de montrer une action commune entre une ONG et le gouvernement. Et donc on s'est embarqué sur la mission pendant 3 semaines avec Cécile Bontron, rédactrice. On travaille donc ensemble au sein du collectif. Et voilà, on savait que ce serait un sujet photogénique. C'est vrai qu'il trouvait des sujets photogéniques, mais c'est une des motivations, mais c'est sûr pas la seule. Au sein du collectif, on traite la photo de manière assez simple et brute. Voilà, il faut quand même que les sujets soient photogéniques par ce qu'ils sont, mais aussi de la manière dont on les rend et dont on prend nos photos. Merci Jérôme. Mais donc, on a des images qui ont l'objectif de publier dans la presse. Et comment est-ce qu'on fait accepter par la presse des sujets qui peuvent être parfois sensibles ? Mais par ailleurs, on voit depuis une vingtaine d'années que c'est des sujets qui sont de plus en plus publiés. Par ailleurs, on les connaît de plus en plus, les gens y ont accès par la presse. Est-ce que vous utilisez des nouveaux formats, des nouvelles façons de faire, diffuser ces projets photographiques ? Par rapport à notre expérience, c'est vrai qu'on a vu vraiment évoluer les choses depuis 20 ans qu'on travaille sur des thématiques environnementales. Il y a 20 ans, le premier sujet qu'on avait traité, c'était sur les réfugiés climatiques, donc les premiers peuples et les premiers hommes touchés par les changements climatiques dans le monde. À l'époque, au début des années 2000, ce n'était pas du tout des sujets abordés, et donc il a vraiment fallu défricher. Et donc on a eu un très bon accueil dans la presse parce qu'on était un peu les premiers à traiter ces sujets-là. Et parce que aussi, enfin, la presse, en fait, la complication à l'époque, peut-être, c'était que la presse parlait moins de sujets environnement. Maintenant, tous les journaux, magazines ont plus qu'une rubrique environnement. Enfin, on parle de ça au quotidien. Donc, pour nous, la difficulté, c'est de rester vraiment expert en la matière et de se démarquer par rapport. Enfin, tant mieux, il y a beaucoup de sujets qui parlent de ça, et tant mieux, il y a beaucoup de publications. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à être un petit peu précurseur dans les enquêtes qu'on peut faire pour continuer à être publié. Donc, bon, en parallèle de ça, la presse aussi a évolué depuis 20 ans. Donc, nous, on cherche vraiment à présenter nos sujets ailleurs que dans la presse pour toucher un large public. Et c'est pour ça qu'on présente des expositions comme ici. C'est une fois que le sujet est fait, en fait, chaque sujet va être proposé à la presse au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et puis, une fois que le projet est finalisé et que la dizaine de sujets ont été faits, on va les rassembler dans un livre, dans un hors-série presse. Donc ici a été publié dans un hors-série presse avec Kaizen. Et on les propose en exposition publique, sur la voie publique, pour que tout le monde y ait accès. Merci. Merci beaucoup, Jérôme, pour vos réponses à nos interrogations. Michel Pelletier, avez-vous des remarques par rapport à cette présentation ? Avez-vous quelque chose à compléter éventuellement ? Je vous laisse le rôle. Ou réagir aux images, si vous avez des réactions aux images que vous venez de voir. Je trouve que les images sont très marquantes, celle-là en particulier. Hein. Au-delà de pêcher, il y a aussi un certain nombre d'armements probablement qui exploitent de la ressource humaine. Hein. Et on est très loin de l'esclavage, hein, de l'esclavage moderne sur ces bateaux. Et c'est notre problème. Je pense qu'il y a le problème de la biodiversité, il y a le problème aussi de tous ces hommes et ces femmes qui sont malheureux exploités, des endroits qui sont un peu non-droits. Hein, alors souvent, quand même dans les économies exclusives, mais d'États qui n'ont pas les moyens de contrôler les licences qu'ils accordent. Donc on arrive à des situations comme celle-là. Ces photos sont très marquantes.
En tout cas, nous, à l'Office français de la biodiversité, on a contribué modestement à cette exposition Argos. Et grâce à la mairie de Brest, à Océanopolis, on a pu monter cette exposition un peu en urgence, mais pour le One Ocean Summit. Et donc, je vous invite tous à la découvrir. Elle est sur la balade qui est très fréquentée du Moulin Blanc, là. Et c'est une exposition qui est très intéressante parce qu'elle montre les interactions, c'est ça qui est intéressant, entre l'homme et la nature, ou l'homme dans la nature. Que ça, c'est une grosse problématique, c'est comment on peut avoir une activité, et en particulier une activité industrielle, dans un espace naturel. La mer est encore naturelle, et j'espère qu'elle va le rester, mais c'est ce sujet des interactions est très intéressant, et en tout cas, c'est un sujet sur lequel l'Office travaille pas mal. Je ne sais pas si les dauphins, mais si vous voulez, je répondrai aux questions. Merci. Merci, Miguel. Nous avons pu comprendre quel est le processus de création, finalement, d'une image qui va servir l'océan et qui, comment s'il peut porter un message, finalement, assez fort. Nous allons essayer maintenant d'essayer de comprendre comment ces mêmes images peuvent être utilisées pour illustrer l'actualité avec Stéphanie Germain. Stéphanie Germain, c'est ici que je vous sollicite. L'océan est un espace merveilleux et encore méconnu du grand public. Pour vous, quelle est l'importance d'illustrer cet espace dans l'actualité ? Votre micro, pardon. Comment le dire ? Céline Liré est tellement que moi. Comment l'illustrer ? Je crois que la première chose, je voudrais juste rebondir, pour compléter, rebondir ce que vous disiez sur la presse. Effectivement, c'est extrêmement important parce que la presse n'est pas le seul, évidemment, n'est pas le seul média, les expositions sont des liens. Le lien entre l'environnement, la presse, l'information, le public a énormément changé depuis 20 ans. Il y a 20 ans, nous avions des lanceurs d'alerte, nous avions des journalistes sur le terrain, on en a toujours, mais tout le monde est devenu un peu expert de l'environnement, de l'océan. Donc quand on a affaire à des experts, des photographes, des journalistes qui connaissent vraiment le sujet, eh bien, on a effectivement ce genre de reportage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire ces reportages, pour que les journalistes, photographes ou d'écriture puissent travailler correctement en toute indépendance, il faut aussi des financements. Et les financements viennent soit de mécènes bien intentionnés, je l'espère, soit de la presse elle-même, qui elle-même doit être indépendante. Je dis ça pour commencer parce que je pense que c'est vraiment important. Et c'est pour ça que la presse diversifie aussi ses sources, qu'elle devient aussi de plus en plus méfiante. Enfin, en tout cas, je parle pour nous, par exemple, à Ouest France, mais d'autres aussi, hein, d'autres journaux qui portent des valeurs quand même assez solides. Voilà. Mais c'est très important que le public doit toujours avoir en tête. Rien n'est gratuit. Et pour avoir un bon reportage, honnête, franc, concret, avec des gens sur le terrain, il faut des financements. Je pense que vous ne mangez pas qu'une fois par semaine. Par semaine. Et c'est vrai que c'est un point très important. Et oui. Nous, on tient vraiment à être indépendant et à préciser qu'on fait ces reportages de notre propre choix au sein du collectif Argos. Et ensuite, on les diffuse au sein de sommets. Et on s'adosse à des grands sommets parce que c'est aussi là qu'il faut être pour passer les messages. Mais en amont, quand on fait les enquêtes et quand on décide de travailler sur un sujet, c'est vraiment en indépendance avec, comme vous le disiez, des financements qui soient des coproductions avec la presse ou des financements d'institutions, mais qui n'interagissent pas sur notre choix éditorial et notre enquête. Et c'est pour ces journaux, les télévisions, les radios, il y a moins d'images évidemment, quoique maintenant les radios ont des sites. On va payer les photos et vous voyez où je veux en venir. Tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est même pas une synthèse, c'est à peine un extrait et souvent c'est mal interprété. C'est important parce que vos photos, si elles ne sont pas expliquées, si elles ne sont pas contextualisées, elles peuvent dire tout le contraire de ce que vous avez. Que le message que vous avez voulu rapporter. C'est pour ça que les binômes texte-photo sont vraiment importants, parce que bon, tant mieux si l'image parle d'elle-même, mais il y a toujours besoin d'explications complémentaires et de descriptions, et même au niveau de l'enquête. Et donc oui, le binôme, c'est vraiment le point important chez Argos. Donc je raccroche à la question, j'espère que je vais finir par y répondre. La photo, elle est là pour... On va, je pense, parler plusieurs fois de choc, donc des photos. Elle est là pour alerter, elle est là pour surprendre. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de capter, si on veut vraiment que l'information que l'on souhaite diffuser, si on veut qu'elle soit lue, entendue, vue, au moins vue, eh bien, il faut capter l'attention. Et encore une fois, dans une honnêteté, une sincérité,
une fiabilité de cette information. Donc on a besoin d'images chocs, j'en avais choisi quelques-unes que je peux éventuellement commenter. Je sais pas si... allez-y, vous pouvez en commenter une ou deux rapidement, si vous pouvez. Alors, celle-ci, elle est très importante, elle est très récente. Si vous la regardez bien, je pense que voilà, c'est assez grand. C'était la une d'un des numéros récents du Chasse-Marée, qui est un magazine que j'aime beaucoup, qui est dans le groupe Ouest France, mais ce n'est pas pour ça que je l'aime. C'était un sujet qui s'appelle « À la casse ». Et alors, quand on la regarde rapidement dans un kiosque, chez le marchand de journaux, on a l'impression qu'on va avoir un sujet sur les ferrailles qui, malheureusement, rongent les plages d'Asie. Eh bien non, ça se passe en Turquie, c'est à quelques kilomètres d'autres plages bondées de touristes. Et ce sont des bateaux très récents. Ce sont des bateaux qui ont 10, 15, 20 ans maximum, des bateaux de croisière que l'on déconstruit déjà. Et alors, pourquoi le rédacteur en chef de Chasse-Marée l'a choisi, Gwendal Jaffry? Parce que justement, il y a deux chocs. C'est évidemment, ce sont encore des bateaux que l'on déconstruit. Et en plus, ce sont des bateaux qui sont quasiment tout neufs. Et ça montre ce qu'il va nous expliquer, enfin, ce que le journal va nous expliquer. Ça montre d'une certaine manière la vacuité de ce système, de cette consommation que l'on a de la mer. Alors, on n'est plus seulement dans l'information, on est dans le message. Mais voilà, une photo, le rôle d'une photo au service de l'océan, c'est cela aussi, c'est de faire choc, ou en tout cas de surprendre et d'interpeller pour que le lecteur ait envie d'aller plus loin et de lire ce qu'on va lui expliquer, enfin, j'espère. Merci, ça nous permet de constater à quel point ça peut être choquant, ce genre d'image. Céline Liré, est-ce que vous devez réagir à ces images? Alors, on n'a pas vu toutes les images, je crois qu'il y a une sélection, c'est ça. Ça, c'était pour merveillement. Ouais. Voilà. C'était pour vous. Non, la photo, c'est une vraie porte d'entrée, l'image, en tout cas. L'image, soit photo ou vidéo, c'est une vraie porte d'entrée, en tout cas, pour interpeller. En tout cas, après, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Un coup, à un moment donné, susciter un intérêt, interpeller, questionner. Ou alors, constater. Bon, là, c'est flamand, hein, avec le goéland, avec le masque, voilà, ça me trouve bien aussi la situation actuelle. Hein, ça peut être aussi, ça peut alerter. Après, là, je vais vous laisser commenter parce que Stéphanie, je pense que là, c'est quand même une édition particulière. C'est, là. Oui, c'est une image particulière. Alors, je ne sais pas si on a celle du Torrey Canyon. Elle viendra à la fin. En fait, j'avais préparé deux images de marée noire. Une photo d'une marée noire qu'on a un peu oubliée, d'avant la Mococquise. C'est 1967, c'est pas loin d'ici. Hein. C'est plus Bretagne Nord, enfin Trégor. C'est le naufrage du Torrey Canyon. Alors 67, comme vous l'avez compris, je suis vieille. Enfin, je venais de naître. Voilà, c'est cette photo que je connais depuis très longtemps parce que c'était une photo qui était chez mes parents et mes grands-parents. C'est une photo de militaires. Qui venait d'Auvergne et à qui on a demandé de participer au nettoyage des plages du Trégor. Donc 67, des râteaux, des bottes. Pour la plupart d'entre eux, on a retrouvé ça dans les articles de presse, découvraient la mer pour la première fois. Ce sont des Auvergnats. Voilà, ils sont conscrits, ils font leur service militaire. Ça, c'est une photo qui alerte. Voilà, c'est une photo qui, encore aujourd'hui, est très poignante. On l'a rééditée, enfin, on l'a republiée en 2017, parce qu'on a fait une édition spéciale sur le Torrey Canyon. C'est une photo choc, c'est comme celle des bateaux tout à l'heure. C'est une photo qui doit sans doute nous faire mal. C'est une façon d'interpeller. Après, j'ai voulu vous montrer une case que j'ai aussi, une case des aventures d'Astérix. Pourquoi ? Parce que Ouest France l'a aussi publié dans un hors-série que nous avons consacré à la mer. On a raconté la mer à travers les aventures d'Astérix. Et on a montré cette case qui, elle, a été dessinée par Uderzo quelques mois après la Mococadise. Ce que je voulais vous dire, c'est que, pour alléger un peu le propos, c'était que pour alerter, pour interpeller, on peut se faire mal, il faut se faire mal, hein, je pense que la situation est carrément dramatique. Il faut aussi émerveiller. On voyait des coraux tout à l'heure, et je crois que Céline, vous aimez bien aussi nous émerveiller pour nous alerter. On peut aussi s'amuser. Mettre un peu d'humour dans tout cela, parce que je crois qu'on en a besoin aussi. Le contexte est quand même assez difficile, assez pénible. Et je pense que par l'humour aussi, des artistes le font très bien, par l'humour, on peut aussi alerter. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Mais je pense que c'est important, parce que l'avenir peut paraître sombre, il l'est d'une certaine manière, mais je pense qu'il faut... Enfin, la presse sert aussi à aussi montrer une multitude ouvrir une multitude de portes d'entrée. Merci, ça nous donne une petite note d'optimisme.
Merci beaucoup Stéphanie Germain et merci beaucoup Céline Liret. Donc ces images que nous venons de voir illustrent des faits d'actualité. Elles ont pu toucher un large public, en particulier en le choquant, en l'amusant, en l'émerveillant, donc en faisant réagir. Cependant, comment ces images peuvent se mettre au service de la protection de l'océan ? Mais Michel Pelletier, je me tourne vers vous. Quelles sont, d'après vous et d'après votre travail à l'Office français de la biodiversité, quelles seraient les images que l'on voudrait voir, quelles seraient les images que l'on ne voudrait pas voir concernant l'océan et pour pouvoir servir l'océan, justement ? Alors, l'image, c'est pour nous, à l'Office, aussi un outil, parce que l'Office est chargé de... une mission compliquée qui est d'évaluer l'état de la biodiversité, savoir si la biodiversité va bien ou va pas bien, pour faire simple. Et du coup, on a besoin parfois des images, on a besoin de photos notamment, hein, pour évaluer présence ou non, ici, vous voyez, de coraux noirs, même s'ils sont blancs, mais enfin bon, ils sont noirs, c'est l'espèce. Et savoir s'ils existent et s'ils sont là, ne serait-ce que ça. Et puis, ça vaut aussi évidemment pour les espèces mobiles. Notamment les cétacés, hein, où on fait des grandes campagnes aériennes au travers des océans, enfin, survol des océans, pour essayer de repérer les animaux et les compter, et regarder s'ils sont là, combien ils sont, comment ils évoluent, et pouvoir dire ensuite, on est face à une population qui se porte bien ou qui se porte pas bien, et on voit, puisque les campagnes se répètent, évidemment, on essaye de regarder la dynamique des populations. Ça, c'est une image qu'on n'aimerait pas voir, évidemment, mais qui est peut-être quand même nécessaire de montrer, parce que le problème de la mer, et je parle devant un navigateur, mais c'est que, enfin, c'est pas un problème, évidemment, mais c'est que c'est en trois dimensions, et souvent, on ne voit que la première dimension, enfin, on voit ce qu'on peut voir, c'est-à-dire quand on est dessus ou à côté, et c'est recouvert par un film bleu ou gris, ou selon où on est, et on ne voit pas forcément ce qu'il y a dessous. Et donc, il faut vraiment y aller dessous pour regarder ce qui se passe, et rapporter, montrer ce qui est invisible, souvent pour nous tous, qui sommes à terre. Donc, l'idée de la photo est évidemment très intéressante pour montrer ce qu'il y a de beau, et montrer ce qu'il y a de moins beau. Et là, ça illustre un peu deux problèmes, deux pressions, qui sont à l'origine d'ailleurs de la détérioration de la biodiversité marine. Vous le voyez, cet émissaire, ce tube là qui part et qui permet de déverser des effluents ou des boues, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça n'a pas l'air génial. Et puis ce filet, vous voyez, qui est au premier plan là, et qui est ce qu'on appelle un filet fantôme, c'est-à-dire souvent des filets qui sont perdus, abandonnés, non retrouvés par les pêcheurs, hein, et puis qui restent comme ça parfois des dizaines d'années, voire plus, hein, et qui continuent à être soit pêchants, alors là il n'est plus a priori pêchant, mais qui accumule aussi des concrétions comme ça. Alors c'est parfois d'ailleurs assez compliqué, certains scientifiques nous accompagnent pour dire dans quelles conditions, enfin si c'est nécessaire ou pas de les retirer, et dans quelles conditions il faut le faire, parce que parfois le simple retrait du filet cause plus de problèmes que de le laisser. Enfin voilà, ça c'est une photo, franchement, si on pouvait s'en passer. Et donc, ces filets fantômes, les filets perdus, c'est assez complexe, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, peut-être qu'on en trouvera. Ça, c'est un habitat un peu spécial de pneus. Bon, ce n'est pas une espèce marine, hein, encore, mais c'est une ça a été voulu. À l'époque, on a jugé que c'était utile de recréer des récifs artificiels en immergeant des trucs. Alors là, c'est des pneus, et en pensant que ça allait faire du bien à la biodiversité marine. Bon, ça là aussi, on pourrait s'en passer. Enfin, franchement, maintenant, on n'est plus du tout. Ça, c'était il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, peut-être c'est ça à peu près. Et on imaginait de bonne foi, hein, que ça pouvait être utile, peut-être pour freiner l'énergie de la houle, peut-être pour recréer des habitats dans lesquels la biodiversité, les poissons, etc., les espèces pouvaient recoloniser. Bon, je crois que franchement, on ne ferait plus ça. Et donc maintenant, voilà ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye de nettoyer ces zones. Alors, c'est un peu à la petite cuillère, hein, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Il vaut mieux toujours prévenir que guérir, ça, c'est sûr. Et c'est une photo un peu insolite où là aussi, je ne sais pas si on aimerait la voir ou pas la voir, mais ce qui compte, c'est que d'abord, elle est assez belle, et puis d'autre part, je trouve, et puis d'autre part, ça montre quand même que l'homme peut réparer, peut faire des efforts
souvent coûteux pour essayer de restaurer. La restauration, c'est vraiment un sujet d'actualité. Hein, l'Union européenne, d'ailleurs, est en train de prendre un règlement pour imposer aux États membres un pourcentage d'air marine en restauration. C'est plus simplement en protection ou en interdit, mais en restauration, c'est-à-dire on intervient de façon active pour essayer d'aider la nature, en quelque sorte, à se régénérer. Donc, Mission Europe, d'ailleurs, en cours avec beaucoup d'argent, qui a été pilotée par M. Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, qui a monté cette mission Horizon pour essayer de régénérer pour les 10 prochaines années. Bon, ça, c'est pour vous montrer au public aussi une réalité. Ce n'est pas une image qu'on aimerait voir trop souvent, mais en tout cas sur laquelle il faut absolument que l'Office, mais comme toutes les forces de police d'ailleurs, se mobilisent, hein, pour éviter que y ait des trafics d'espèces protégées. Ça existe encore, hein, y compris chez nous. Ça, je pense que c'est à Mayotte, hein, Agnès. C'est à Mayotte, donc vous voyez, il y a des trafics de tortues, alors que ces tortues ont des statuts de protection depuis déjà beaucoup d'années. Hein, donc ça, la photo peut-être à l'usage aussi de la police. Hein, il faut nécessairement, quand on protège, il faut de la police. Les gardes de l'Office font de la police, hein, et donc prennent des photos aussi, parce que peut-être que ça peut marquer. D'ailleurs, pour les marées noires, hein, ça a été les premières photos qui ont été utilisées à des fins judiciaires, hein, de preuves. Et de plus en plus, les juges considèrent ces photos comme étant constater le flagrant délit, tout simplement. Merci. Je voudrais préciser, parce que je ne l'ai pas fait, que l'image avec les coraux, qui est magnifique, hein, est une photo de Laurent Balesta, un photographe qui est connu, un plongeur. Voilà, celle-là. Avec qui l'Office a un partenariat aussi, hein, et est en train de travailler sur des découvertes, parce que la photo, c'est aussi montrer aussi des découvertes. On découvre encore plein de choses, il y a beaucoup de biodiversité inconnue en mer, et notamment au large du parc naturel marin de Corse et de l'Agriate, du Cap Corse et de l'Agriate, il a découvert des anneaux coralligènes. Alors, c'est pas ceux-là, hein, mais c'est des formations qu'on connaissait pas, et il en a découvert plus de 1000, je crois, et donc on est en train de monter une campagne là aussi d'exploration, et j'espère que la photo permettra de diffuser ce savoir, voilà, diffuser, et puis probablement en émerveillant aussi, hein, parce que c'est quand même un monde un peu, c'est presque de l'espace là, on est dans de la troisième dimension. Merci, ça nous permet de bien comprendre comment ça s'ancre dans votre taille finalement. Merci beaucoup Michel Pelletier pour votre discours engageant et ces photos. François Gabart, pardon, vous qui êtes navigateur, est-ce que vous avez été touché par ces photos, ce discours, est-ce que vous voulez réagir? Oui, moi je suis en effet souvent sur l'eau, mais sur la surface. Je n'ai pas forcément le loisir d'aller sous, je ne suis pas forcément à l'aise dedans. C'est vrai que ces photos de Laurent Balesta, c'est juste exceptionnel, parce que c'est beau, c'est extraordinaire. C'est une façon de partager et de transmettre de l'information qui fonctionne relativement bien. Et donc voilà, moi je suis ravi d'avoir des photos qui viennent de sous l'eau, des photos qui viennent de sujets, par exemple, à l'autre bout du monde, où je n'ai pas forcément l'opportunité d'y aller, d'essayer de mieux comprendre le monde, mieux comprendre la mer, mieux comprendre les océans avec l'observation de ces photos. Merci, ça nous fait une transition toute trouvée, puisque on veut protéger l'océan, donc les photos peuvent nous aider, mais pour protéger l'océan, il faut le connaître. Et est-ce que l'image peut peut-être être un outil de transmission de la connaissance, finalement ? Céline Liret, c'est là que je vous salue à nouveau. Comment les images vous amènent à parler au grand public, s'il vous plaît ? Alors évidemment, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, et ce qu'on partage tous, hein, l'image est un vrai support pour pouvoir... finalement, c'est une porte d'entrée pour pouvoir raconter des histoires. C'est un peu comme dans les livres d'enfants, en fait. Voilà, on a une image et puis on peut raconter plein de choses derrière et embarquer, en tout cas faire rêver, faire voyager. Donc je pense que l'image, elle est vraiment, elle a ce pouvoir-là. Alors moi, la première image que j'ai choisie, c'est évidemment cette image vue de l'espace. Hein, parce qu'en fait, quand on parle de l'océan, quand on voit cette image-là, ça prend toute sa dimension. Et là, vraiment, on peut raconter plein de choses, en fait, au public. Évidemment, 70.8, hein, qui est l'autre centre de culture scientifique, hein, sur l'océan, qui se trouve au Capucin.
qui est vraiment qui est le jumeau d'Océanopolis hein, sur le volet technologie et innovation maritime. Mais en tout cas, c'est vrai que sur une image comme ça, en fait, on peut raconter plein de choses au public. On peut leur faire prendre conscience de... On parle de planète Terre, en fait, c'est une planète mer. Hein. Le volume d'eau sur Terre, en fait, il est dans l'océan, évidemment. La vie a démarré aussi dans l'océan. Donc, en fait, il y a plein d'histoires qui peuvent être racontées. Donc, c'est toujours... Puis cette vue, en fait, vraiment globale, apporte cette dimension. Et ce côté aussi sans frontières de l'océan. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Après... nous, on utilise à Océanopolis l'image pour montrer des choses que l'on ne peut pas voir autrement. C'est-à-dire que... Alors, c'est les photos suivantes, voilà. Donc là, j'ai pris une photo qui est une photo d'une animation que l'on réalise à Océanopolis pour présenter, en fait, la biodiversité locale, la biodiversité en Bretagne. Et à l'aide d'une caméra, en fait, on peut aller voir, montrer les espèces de très près. Et finalement, là, ce que l'on voit à l'écran, c'est une coquille Saint-Jacques. On la voit très, très près. Et du coup, ça prend d'un seul coup une dimension tout autre par rapport à celle que l'on peut manger ou trouver chez son poissonnier. Et on se rend compte que c'est un vrai support de biodiversité parce que quand on regarde, en fait, on va retrouver d'autres espèces sur cette coquille. Hein, évidemment, des crépidules, des petites anémones. Et puis, toutes les petites tentacules qui sortent de cette coquille. En fait, ça nous permet là aussi d'embarquer le visiteur, de lui raconter plein de choses et de faire prendre conscience, en fait, du rôle aussi de toute cette biodiversité marine, de son importance dans l'écosystème et de la nécessité. Finalement, ça émerveille aussi, ça surprend. Ça va susciter de l'intérêt de la part du visiteur quand il va aller, lui, se balader la prochaine fois au bord de la plage, mettre un peu les pieds dans l'eau. Il va regarder les choses différemment. Il va être curieux. Il va s'intéresser à l'océan. Et quelque part, là, c'est gagné. S'il s'intéresse à l'océan, il va chercher à s'engager. Il va être attentif à ne pas laisser ses déchets sur la plage. Voilà. Et derrière, c'est vraiment quelqu'un qui va devenir lui aussi ambassadeur de l'océan, partager ça dans sa famille, auprès de ses proches. Donc, finalement, l'image, elle a aussi ce pouvoir-là derrière d'être... C'est une vraie porte d'entrée. La deuxième... Cette image-là, c'est pareil. C'est une animation que l'on réalise à Océanopolis. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que le public ne va jamais aller plonger à 3000 mètres de fond pour aller découvrir la biodiversité qui s'y trouve. On fait la même chose avec le plancton. Il ne pourra jamais, voir de très près tous ces organismes microscopiques. Et là, l'image, en fait, a ce pouvoir-là, cette possibilité-là. Alors, on travaille avec des organismes de recherche qui étudient ces espèces. Ils nous fournissent du matériel, des photos, des vidéos. Ensuite, on modélise. Eux aussi modélisent, en fait, ces espèces. On utilise ces éléments-là pour après les habiller, les texturer et les manipuler, parce que ça, c'est extrêmement intéressant, en fait, au moment de l'animation. On redonne vie, en fait, à toutes ces espèces. Et finalement, le public, c'est comme s'il y était. Il plonge à 3000, à 4000 mètres de fond, et dès que ces espèces... Là, après, il y a tout le savoir-faire, la compétence de l'animateur. Évidemment, chez nous, hein, c'est des gens... et c'est leur métier de partager les connaissances. Et donc, ils valorisent, en fait, toute cette connaissance scientifique pour la partager avec le plus grand nombre. Mais là aussi, c'est une vraie histoire, en fait. C'est... ils viennent ici pendant 20 minutes, 20-25 minutes dans l'auditorium, et puis ils ressortent, ils ont découvert un univers complètement différent, complètement méconnu pour eux, comme si on avait ouvert un livre. Et ils ont voyagé pendant 25 minutes au fin fond de l'océan. Alors après, il y a aussi l'utilisation de l'image pour, d'un seul coup, pour émerveiller, s'interroger, se dire cette immensité. Parfois, ça peut être impressionnant aussi. On voyait les images que tu as proposées tout à l'heure, Michel, aussi, ce côté, c'est magnifique. C'est magnifique et à la fois, on est dans un univers qui n'est pas du tout notre milieu. Hein. On est bien terrien, hein. On a les pieds sur terre. Et quand on voit ça, des gens qui plongent sous la glace en Antarctique, donc là, c'est une photo d'Erwan Amis qui travaille au CNRS, qui est à l'Institut universitaire européen de la mer.
Et donc, ils font régulièrement des expéditions hein, pour aller étudier la biodiversité marine dans ces milieux extrêmes. C'est vrai que c'est à la fois merveilleux, un peu effrayant hein, de se retrouver sous des morceaux de glace aussi immenses. Il y a de la vie sous la glace. Ça aussi, ça permet de raconter des choses. Les gens estiment que c'est des milieux sans vie, à part les ours, alors pour l'Arctique et puis les manchots pour l'Antarctique. Non, il y a plein de choses, en fait, aussi au fond. Plein de choses sous cette glace. Donc, ça permet aussi, voilà, alors après, quand on défile, quand on continue, hein, on peut parler évidemment du changement climatique dans ces milieux polaires, des conséquences, des enjeux. Et puis, cette photo, alors j'ai choisi cette photo. Alors, quand on la voit comme ça, on pourrait se dire, ah là là, c'est coloré, c'est sympa, on est peut-être dans les tropiques, voilà, mais pas du tout, en fait, c'est une espèce très locale, hein, c'est une blénie. C'est aussi, en fait, l'image peut amener à découvrir des choses que l'on va regarder d'un œil, d'un regard un peu, peut-être sans intérêt, finalement, quand on est, regarder au bord de la plage dans un petit pool d'eau, là, on va tourner les rochers, on va tomber sur une blénie, oui, une blénie, bon. Puis finalement, quand on a une photo comme ça devant soi, on se dit, bah, c'est incroyable, c'est magnifique, quoi. Et c'est aussi se dire que des choses que l'on a auprès de chez soi ou qu'on peut découvrir de manière assez simple, en fait, si on les regarde vraiment, si on prend le temps de les observer, de regarder leur comportement, bah, finalement, cette biodiversité marine, elle est passionnante. On se retrouve finalement à rêver à voir cette photo-là. Merci Céline. Est-ce que Jérôme Indèche peut vous demander peut-être de réagir ? J'imagine que ces photos, tout comme nous, vous ont un petit peu émerveillé. Est-ce qu'on peut... Elles sont assez différentes de celles que je fais, donc oui, j'en suis admirative. J'ai pensé au photographe sous la glace. On voit la photo, mais moi, je pense au photographe qui fait la photo. Je ne sais pas si je me lancerais sous la glace avec un appareil pour aller faire de telles photos. Je trouve que le changement aussi d'échelle avec la coquille Saint-Jacques, c'est vraiment important parce que c'est une des missions de la photo, c'est de nous faire changer notre point de vue. Enfin, pour le spectateur qui la regarde, on est tout de suite projeté ailleurs. Et donc, l'échelle aussi est vraiment importante de se positionner tout petit par rapport à une coquille Saint-Jacques. C'est pas habituel. Et la première photo sur la planète, je l'aime beaucoup. Enfin, elle m'a fait réagir parce que la conscience écologique, elle a été développée depuis qu'on va dans l'espace et qu'on a pu voir la Terre depuis l'espace. Et je crois que les cosmonautes ont vraiment cette conscience écologique, l'ont eue en voyant la Terre depuis l'espace. C'est même pas vu du ciel, c'est vu de l'espace. Et elle m'a fait penser au slogan, j'ai suivi pas mal de manifs pour le climat, et le slogan, il n'y a pas de planète B. Donc voilà, elle m'a bien touchée. Merci beaucoup. Est-ce que très rapidement, Stéphanie Armand, vous voudriez réagir à ces images ? Est-ce qu'on publie finalement ? Est-ce que dans un journal, on a envie de montrer ces images-là, du tout petit, l'immensément grand finalement ? Est-ce qu'on a envie d'avoir ce contraste très rapidement ? Ah oui, 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 très rapidement. D'ailleurs, c'est drôle parce que je suis en train de travailler sur un projet dont je vais vous parler bientôt, la semaine prochaine. Et la première image, l'image de la planète, c'est exactement l'objet du projet. Elles sont évidemment publiables, pour moi, de mon point de vue de journaliste, à la condition qu'elles soient bien expliquées, qu'elles soient datées, enfin, le béaba de ce que l'on doit faire, parce que l'image, elle est manipulable. Ça, c'est la pire des choses autour de l'image, c'est qu'elle est manipulable. Donc, notre rôle, c'est de les publier avec des explications sur la blénie. C'est carrément génial, parce que c'est la vérité. Vous m'aviez raconté, il y a 2 ou 3 ans, l'histoire des hippocampes. Moi, je ne suis pas bretonne, donc je ne savais pas qu'on pouvait trouver des petits hippocampes. Enfin, les trouver, les regarder, évidemment, pas les prendre, dans des trous d'eau à marée basse. Mais c'est exactement ça avec la blénie. Donc, elles sont toutes publiables, celles qui viennent du bout du monde, du profond ou de nos trous d'eau à marée basse. Mais avec cette... C'est indispensable, vous avez pensé que je suis obsédée, mais il faut absolument que tout soit expliqué, décrypté, daté, pour que le public comprenne et surtout qu'il ait confiance. C'est dans le monde d'aujourd'hui, là, maintenant, depuis 10-15 ans, c'est indispensable. Voilà. Merci. Merci beaucoup Céline Liret, merci beaucoup Jérôme Dorigny et merci beaucoup Stéphanie Germain. Du coup, nous avons vu comment un photographe choisit son sujet pour évoquer les enjeux de l'océan et comment ces photos peuvent illustrer l'actualité. Ces mêmes images peuvent encore se mettre au service de la protection de l'océan et de la transmission des connaissances qui lui sont liées au grand public. Mais quel regard peut-on porter lorsque l'on vit l'océan au quotidien, à la fois comme un terrain de jeu et également comme un outil de travail ?
cette question, cette partie vous est tout dédiée, François Gabart, vous qui vivez au quotidien l'océan, qui l'avez comme terrain de jeu, comme terrain de sport finalement également, mais aussi comme lieu de travail. Comment quel est votre ressenti vis-à-vis de ces images de la mer et comment vous les vivez et comment est-ce que ces illustrations de votre quotidien finalement, comment vous les voyez? Pour nous, marins, la photo, elle permet, c'est un des outils, c'est pas le seul, mais c'est un outil pour partager un petit peu ce qu'on vit et essayer quelque part de transmettre des émotions. Je pense que c'est peut-être ça qu'on n'a pas forcément parlé d'émotions jusqu'à maintenant, mais c'est ce qu'on essaie de faire. C'est loin d'être évident, hein, parce que dans une photo figée, arriver à transmettre des émotions, c'est pas facile, mais malgré tout, ça peut fonctionner. J'avais choisi aussi cette photo de la planète bleue, hein, prise de l'extérieur, parce qu'en effet, ces photos-là, elles sont indispensables dans la prise de conscience de l'humain, de la planète Terre, de cette planète qui est ronde, on le voit, parce qu'il y en a quand même pas mal qui en doutent encore, donc c'est bien de le rappeler, et qui est un système, en effet, qui est isolé, qui est en interaction avec l'espace, hein, mais qui a des limites qui sont là et qu'on peut voir. Donc ça, c'est assez important. Et donc, du coup, l'émotion générée par une image, et il y en a eu beaucoup, hein, moi, quand je vois les autres photos avant, encore une fois, les photos sous-marines, ouais, c'est pas quelque chose dont on est habitué, nous, humains, à aller dans l'eau. Ça génère tout de suite quelque chose. Et je suis convaincu que ces émotions-là sont nécessaires face aux grands défis environnementaux qui sont là aujourd'hui devant nous. C'est difficile de ne pas être en action si on n'a pas été nous-mêmes touchés par une émotion. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tous la possibilité ou l'opportunité, j'imagine personne dans cette pièce-là, d'être allé dans l'espace. Et pour autant, c'est intéressant d'avoir ces photos-là. On n'a pas tous la possibilité d'aller sous la glace, dans l'eau, d'aller à l'autre bout du monde. Et donc, c'est important d'avoir ce support-là pour pouvoir amener des gens le plus proche possible de ce qui se passe, essayer de transmettre ces infos, essayer de transmettre ces émotions. Du coup, ça peut être un vecteur pour faire découvrir l'océan public, et comme on le voit à l'image, peut-être un véhiculer un message d'espoir et d'avenir finalement, à travers la technologie peut-être. Oui, alors je suis pas complètement, je suis pas très objectif, hein, parce que forcément vous comprenez bien que je suis assez pané par ces bateaux qui volent. Cette photo, je l'aime beaucoup parce que bah, c'est un bateau qui vole, et c'est vrai que j'ai du mal à ne pas en parler parce que c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Ça fait partie des innovations de ces dernières années. Qui nous permettent, alors à nous marins, d'aller plus vite sur l'eau. Mais là où je trouve que cette révolution est assez intéressante, c'est qu'elle change vraiment de notre façon de naviguer, et elle permet, alors soit pour un bateau à voile, grosso modo on a les mêmes voiles, on met des foils, on vole, on va plus vite, on peut gagner des courses, battre des records, c'est génial. Mais on peut aussi choisir d'aller à la même vitesse, et parce qu'on vole, d'avoir besoin de moins d'énergie pour se déplacer. Ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant par rapport justement aux enjeux, principalement aux enjeux de mobilité qu'on a. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et pourquoi cette photo elle est assez intéressante? C'est assez paradoxal ce que je veux dire, mais en fait, je navigue sur ce bateau depuis maintenant quelques mois. Je ne l'ai jamais vu de l'extérieur. À chaque fois, je suis à bord. et je suis à chaque fois content et presque surpris. Enfin voilà, quand je vois les photos de ce bateau, je me dis waouh, génial. Et de la même façon, quand je vois les photos de bateaux, j'ai une photo d'Éric Tabarly, alors je ne sais pas si elle est là ou pas très loin, qui est un des premiers à voler. J'adore cette photo parce qu'elle est, donc elle date des années, je ne vais pas dire de bêtises, 70-80. Enfin, c'est pas tout jeune, hein, le vol. Enfin voilà, il y a un marin aussi visionnaire qu'Éric Tabarly, il avait déjà intuité il y a quelques années. C'est sur un Tornado, donc c'est un catamaran de plage, sur lequel d'ailleurs j'ai eu la chance de naviguer pas mal d'années, enfin pas ce bateau-là, mais ce type de bateau. Et le vol, mine de rien, c'est pas facile. J'aimerais bien tous vous emmener sur un bateau ou sur même une petite planche à voile qui vole, un surf, peu importe, pour essayer d'avoir cette sensation du vol. Parce qu'on arrive vraiment à sentir, en fait, quand on vole, qu'il n'y a plus grand-chose qui nous freine et qu'il y a, le champ des possibles devient assez, assez intéressant. Et je trouve que les photos sont quand même souvent... voilà, quand on voit un bateau voler, enfin, moi en tout cas, ça me laisse pas indifférent. Et donc, moi j'étais gamin quand j'ai vu cette photo-là et je me suis toujours dit oh, comment ça marche, comment c'est possible.
Et donc voilà, donc j'aime beaucoup aussi cette photo. Je trouve que c'est important qu'on puisse avoir ces photos de ces bateaux qui volent. Merci beaucoup. On vous voit encore là. Ouais, bah pareil. Ça c'est entre les Glénans et Trévignon. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ça a révolutionné quelque part beaucoup d'engins flottants. Là c'est un SUP, hein, un stand-up paddle. Donc il y en a des foils un petit peu partout. On essaye de voler aussi bien que les oiseaux qui sont derrière. On voit même l'aileron d'un dauphin. On peut s'inspirer d'ailleurs, et ça c'est intéressant sur les foils qui sont là. Je ne pourrais pas être biomimétiste, mais de l'inspiration qu'on pourrait avoir de tous ces animaux marins qui sont bien plus doués que nous pour se déplacer sur les océans ou dans l'air. Et c'est vrai que c'est assez... Enfin voilà, c'est le champ des possibles, on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années. Là, donc, c'est-à-dire que on est porté sur ce foil. La pagaie touche un petit peu l'eau, mais grosso modo, on arrive à se déplacer quasiment, si on est bon techniquement, ce qui n'est pas forcément mon cas aujourd'hui ou sur cette photo, mais on arrive quasiment à se déplacer sans apporter l'énergie. Ça, je trouve ça assez passionnant. Merci. Ça l'est en tout cas. Merci beaucoup pour vos images et pour vos discours complémentaires. Pour finir, nous aimerions vous demander à chacun chacune si vous aviez une image en particulier qui vous a marqué, ému ou même susciter une vocation. Donc, Jérôme Derigny, est-ce que vous voudriez, dans un premier temps, nous dire si justement vous avez une image un petit peu qui vous reste en mémoire, en tout cas. Une image concert la mer, oui, c'est pas exactement cette image-là qui m'a débloquée, mais c'est l'image que Sea Shepherd avait pour la com de cette opération, donc que j'ai vue avant de partir. Donc ça, cette photo-là, c'est qu'elle est faite, mais celle qui m'avait marquée, c'était celle faite par Sea Shepherd, qui était un peu similaire. Et en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un attiré par la mer, je ne suis pas habituée à la mer. Et donc, c'était pour moi la première fois que j'allais partir en mer et faire des photos là-bas. Et je ne voulais pas y aller. c'est pas mon élément. Voilà, j'habite en ville, j'ai fait beaucoup de sujets plutôt sur l'agriculture. Donc, dans ma tête, bon, comme on est plusieurs dans le collectif à pouvoir partir, ce n'était pas moi qui irais sur ce sujet. Et puis, bon, bah, les choses se sont passées de telle sorte que finalement, c'est moi qui suis allée. Et en fait, quand j'ai vu la photo de Sea Shepherd, donc similaire à celle-ci, j'ai compris que c'était hyper photogénique et que c'était un sujet qui était très important pour notre projet et qui était important à faire parce que très parlant. Et donc, je me suis dit, OK, j'y vais. Merci. Merci beaucoup, Jérômine. Stéphanie Germain, c'est à vous que je pose maintenant la question. Est-ce qu'il y a une image qui vous a particulièrement marquée? Alors, celle-ci, mais pas que. Ouais, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez précisé que je m'occupe de la mer dans le journal Ouest-France depuis 5 ans, en fait, un peu plus longtemps. Mais j'ai d'abord été, cette conscience de la situation catastrophique de l'océan, elle est quand même, somme toute, assez récente. Je suis pas tombée dans ce chaudron-là quand j'avais 20 ans. Je faisais de la voile, pas à votre niveau. Hein, je faisais de la voile dans mon école de voile au CNTH en Normandie. Et la voile, pour moi, la mer, c'était la liberté. C'était surtout la liberté. Mon père était marin. C'était la liberté, la liberté. Et les premières images qui m'ont marquée, vous en avez parlé tout à l'heure, sont les photos des migrants. C'était là encore, on était loin de la biodiversité. Mais pardon, excusez-moi, je suis un peu émue. Mais c'était les photos des migrants. Ça a été vraiment le premier acte la première prise de conscience. La photo coup de cœur que je voulais vous montrer, c'était celle avec les cachalots, mais on l'a vu rapidement. Voilà, c'est celle-ci. En fait, il faudrait presque montrer un film. C'est ce qui me choque, en tout cas m'interpelle, et en même temps me donne espoir. C'est-à-dire que là, c'est un guide naturaliste à l'île Maurice. On en a parlé il y a 3 ou 4 semaines dans le journal, qui libère d'un filet, qui libère un cachalot. Et il se trouve que ce cachalot et ce guide se connaissent, entre guillemets, puisque ce guide l'avait déjà filmé avec un photographe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alexis Rosenfeld. Ce cachalot est né il y a une dizaine d'années. Alexis Rosenfeld avait assisté à sa naissance. Et 10 ans après, ils se retrouvent tous les trois, au secours de ce cachalot emprisonné. Et ça interroge, et je trouve qu'on devrait beaucoup s'interroger sur les interactions entre, on essaye de le faire dans la presse, mais et avec l'aide des témoins, s'interroger sur les interactions entre l'homme et la mer, l'homme et la faune et la flore de la mer ou de l'océan. Évidemment, je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'il va falloir qu'on creuse cette question
pour trouver des solutions aux problèmes que l'homme a créés dans l'océan. Merci beaucoup. Et cette photo, pour moi, en est le symbole. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, Michel Pelletier, et j'imagine que votre réponse va être complémentaire. Quelle est votre image, vous, qui vous a marqué? Quelle est l'image qui vous reste en mémoire? Ben, c'est celle-là, mais en fait, ce n'est pas tout à fait celle-là, c'est plutôt l'autre partie du bateau. On voit, mais ce n'est pas grave, celle-là aussi est très marquante. Oui, voilà, c'est celle-là. On voit d'abord parce qu'évidemment, on ne voit pas d'habitude les œuvres mortes d'un bateau. Les œuvres mortes, c'est ce qu'il y a sous la ligne de flottaison. Voilà, c'est celle-là avec la lisse là, qui dépasse. Elle est presque un peu indécente, on voit les dessous. Elle est belle en plus, et c'est ça qui est un peu triste, parce que je trouve qu'elle est artistiquement réussie. C'est une photo qui a été prise par un aéronef de la marine. Et je venais de prendre mes fonctions à l'époque. J'étais jeune administrateur des affaires maritimes. Et j'étais de permanence. C'était au moment de Noël, un peu avant Noël. Et on apprend... c'est un peu la sidération. On se dit, mais comment est-ce possible? C'était en 2000 ou 2002, je ne sais plus, 2000. Comment est-ce possible qu'on ait encore ce type d'événement devant chez nous? Alors, ça nous dit deux choses. Ça nous dit que la nature et la mer, en particulier, est très forte. C'est pas François qui apprendrait ça, mais et que même notre trafic maritime dont on est si dépendant, est à la merci de ce genre d'événements. Et pourquoi? C'est pas le fruit du hasard. C'est parce que l'Erika était un bateau poubelle, était un bateau pas entretenu. Il y a eu un procès retentissant, évidemment. On n'a jamais. L'opération était tellement complexe, pour savoir qui était responsable ou pas responsable plutôt, que je ne sais pas si on a vraiment puni les vrais responsables. Mais voilà. Et ça, c'est des choses vraiment qui. Alors je crois qu'on a pu progresser. Mais bon, il y a encore un pétrolier, vous avez vu, qui s'est échoué il y a une semaine à La Réunion, hein, à Maurice, qui s'est fait prendre par le cyclone. Bon, voilà. C'est une. Et là, je pense que je rejoins tout à fait François Gabart. Je pense que pour ce. La mer a besoin d'ingénieurs, on a besoin de progresser encore. Et c'est plutôt un message d'espoir, hein, de dire qu'il y a beaucoup de solutions techniques qui sont encore à découvrir, à notre portée, même si on n'est pas tous visionnaires comme l'a été Tabarly, mais il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui s'investissent de plus en plus, en tout cas, grâce à l'image sans doute et grâce à ce qu'on peut dire dans les médias, qui font des études d'ingénieurs et autres pour trouver des solutions. Et il y a même des jeunes qui animent des tables rondes. Et merci beaucoup, puisque vous êtes étudiant, et on vous félicite. Merci. Mais donc vous réussissez à trouver un message d'espoir avec cette photo qui est un petit peu catastrophique. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Et Céline Liret, je vous sollicite rapidement. Quelle est pour vous la photo pour laquelle vous portez de l'affection? Alors moi, j'ai mis une photo qui peut paraître assez étrange, hein, qui questionne. En fait, c'est une photo qui a été réalisée par un étudiant ici à l'IUM. On a organisé un concours photo avec l'Institut France-Québec Maritime. Donc ce concours, en fait, avait pour objectif de valoriser des photos d'étudiants qui sont en master et puis également en doctorat dans les universités françaises et québécoises, les universités marines. Et donc on a eu des photos d'un peu partout dans le monde, puisqu'en fait ce sont des étudiants qui vont aller faire étudier des milieux extrêmes, hein, en Arctique, Antarctique, mais aussi dans les eaux tropicales. Et un des étudiants a fait cette photo, nous a proposé cette photo, qui a eu le premier prix. Alors, dans le jury, il y avait Laurent Balesta, justement, et puis également Mario Cyr, qui est un photographe très connu, mais de l'autre côté de l'Atlantique, hein, côté Canada et États-Unis. Cette photo a eu le premier prix. Alors, d'une part, on est sur des choses, finalement, c'est la biodiversité ici, en Bretagne, les algues, un élément essentiel. Et puis, en fait, il a pris cette photo et la légende, c'est un peu « Où est Charlie, en fait ?» puisqu'il y a un petit amphipode caché dans les algues, petit élément blanc là que l'on voit. Et finalement, on voit à la fois le regard. Et puis, je trouvais que c'était intéressant aussi de présenter cette photo parce que, évidemment, les étudiants, c'est essentiel d'avoir des jeunes
qui s'intéressent à l'océan, qui veulent étudier l'océan et demain qui apporteront voilà, une nouvelle connaissance, qui apporteront des solutions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'océan. Merci. Et cette exposition, alors, elle est présentée hein, à Océanopolis. Vous pourrez la voir en extérieur. Merci beaucoup. Et je rejoins Michel. Bravo, merci pour l'animation. Maintenant, François Gabart, je vais vous poser la même question. On finit sur une note très positive. J'imagine que votre note sera aussi positive pour finir. Je vais être positive. On a un timer, il reste 45 secondes, donc je vais essayer d'être assez rapide. Et je vais être un peu provoque en... Et c'est peut-être encore plus provoque en ayant vu toutes ces belles images. J'ai envie de dire que la mer n'est pas vraiment photogénique. Malgré ces belles images qu'on a pu voir, la réalité est souvent bien, bien plus belle que les photos qu'on voit. Donc le seul message que j'aurais à donner, c'est évidemment, émerveillons-nous de ces photos-là, mais surtout, allons nous émerveiller de la réalité, c'est-à-dire allons là, surtout quand on habite à Brest ou quand on est sur le bord de mer, allons dans l'eau, j'y vais très peu souvent, allons sur l'eau, essayons de... Voilà, de profiter de ces photos naturelles, enfin de ce que l'on peut voir, et donc voilà, essayons d'aller plus loin que l'image et profitons de la chance qu'on a de pouvoir voir les choses en vrai. Et c'est peut-être important pour compléter aussi justement, en plus du texte et des informations qui sont nécessaires autour de l'image, quand on peut, allons voir tout ça pour de vrai. Ben merci beaucoup, j'ai ton eau à l'eau alors. Merci à tous, on va pas avoir le temps pour avoir des questions du public, mais merci à tous de nous avoir écoutés, et merci à vous cinq d'avoir pu nous exprimer votre parole ici. C'était très intéressant, on a pu découvrir sous différents aspects, de différentes manières, d'une manière surtout passionnante, comment l'image peut se mettre au service de l'océan. Donc merci à vous encore. Et je tiens à remercier tout particulièrement l'OFB, l'Office français de la biodiversité, donc bon, Michel Pelletier présent ici, mais aussi pour l'organisation avec ses différents membres, le collectif Argos qui a donc fait cette exposition, cette magnifique exposition que vous pouvez voir juste devant Océanopolis, mais aussi Océanopolis, donc Céline Liret ici présente pour toute cette organisation et toute son équipe et aussi l'équipe technique. Merci beaucoup pour aussi ce magnifique pavillon événementiel. Et nous vous rappelons que l'exposition Amer, du coup, qui a été présentée plusieurs fois, du collectif Argos, pardon, avec les photos de Jérômine ici présentes, est en cours depuis le 8 février et est disponible jusqu'au 8 mars. Elle est accessible à toutes et tous sur la promenade du Moulin Blanc, juste en face de Océanopolis. Donc, pourquoi pas. Merci beaucoup. Son masque.